Salut à tous les amis, c'est Platypus et on se retrouve pour une nouvelle aventure sur une map multijoueur en coop avec notre ami Rhino sur la toute nouvelle map d'Hypixel, Herobrine's Return. Yeah! Bonjour tout le monde! Le voilà, il a plus que 17 de vie d'ailleurs et nous allons tout de suite commencer la map en lisant les règles. Herobrine's Return by Hypixel. Ne cassez aucun bloc, sans qu'on vous le demande, machin. Je recommande le pack de textures que je n'ai pas pris parce que... fais gaffe, il y a quelques petits amis qui montent à l'étage. C'est okay. Retour déjà. Bon, ben, bienvenue. Je vous souhaite la bienvenue chez les amis. Je peux faire en plus. Bon, alors je prends une petite armure quand même. Et le quest log, il a tellement insisté que, bon, d'accord, je vais quand même le prendre. Eh, regarde, viens voir, Victor, il est invincible. Ah oui? Ouais. J'arrive. J'ai pris une épée magnifique. Ah oui. Ah, c'est pour moi. Saloperie, c'est toi qui l'as eu. Ça va, on gère. Attention à ce squelette. Je le prends par derrière. T'aimes ça, hein? Ah oui, là, je suis vraiment fan. J'ai que 5K, moi. C'est nul, ça. D'ailleurs, t'as que 15 de vie. Ouais. Mais c'est qui, le type, là-bas? C'est Herobrine, je pense. Herobrine? Wow. What? Oh! Regardons ce que nous avons ici. Notre bon vieil ami Biplatypus. Herobrine! Non, c'est pas moi! Souviens-toi que je t'ai déjà battu et que je fais de ta maison des ruines. C'est terrible! Je ne pense pas que tu peux comprendre jusqu'où va ma puissance. Waouh! J'avoue que sa puissance par rapport à l'épisode précédent. Arrête ça! Non mais... Oh, il est déchaîné, là. Il peut être arrêté avant qu'il détruise tout. Non mais, on peut pas le frapper, on est prisonnier. C'est quoi cette arnaque? Libérez-nous de cette prison magique. Toi, couard, et je vais t'exécuter. Moi, je n'attends que ça. Regarde, il est caché au-dessus de sa faute. J'ai plein de choses à faire en attendant. Mais nous allons nous rencontrer à nouveau, mortel. Il est parti. Ah, voilà Victor. En attendant... Alors, okay. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah, chouette, on peut déjà pas ouvrir les coffres. Ça, c'est cool, quoi. Si, je vais sauter. Ouais, ici, il y a plein de coffres. Ah, oh, quoi? Ah, super, j'ai eu un casque enchanté. Moi, j'ai eu un arc qui fait 6 à 22 de dommages. Pas mal, pas mal. Ah, une rotten flèche. Il y en a deux d'arc, ça, j'en suis sûr. Encore une rotten flèche, rien. Et un coffre bloqué. Bon, mais on a été vachement sympa. On a bien pillé tout le village. C'est super gentil pour les habitants. On rentre pas encore dans l'église. Ah ouais, elle est stylée cette église. Rentre pas encore, ça déclenche un truc. Il y a alerte. Aventurier, je sens le nécromancier d'Herobrine qui a pris des cours le cimetière. Pouvez-vous l'arrêter, s'il vous plaît? Je vais rapporter la paix dans ce village. Quête 2 complétée. Lisez votre livre de quête pour plus d'informations. Trouvons le cimetière et tuer le néfaste nécromancier. En même temps, si le nécromancien était néfaste, ça serait quoi. Ouais, c'est vrai que s'il était gentil, ce serait un petit peu nul. Il y a un truc, Heaven Shop, magasin du paradis. Oui, il faut battre d'abord le nécromancien. Arrête de spoiler toute la map, s'il te plaît. Vous n'avez pas encore débloqué le magasin du paradis. Bon, ben sympa quand ils nous le mettent et on l'a même pas débloqué. Oui. C'est pas tout ça, mais moi j'ai envie de fighter ce nécromancien avant la fin de l'épisode. Il faudrait quand même faire ça, parce qu'il a plongé la ville dans les ténèbres et moi je trouve ça pas gentil. Ah, c'est normal, c'est pas gentil. Mais en fait, regarde ces piliers ici. Mais t'es un malade? On dirait un squelette, hein. Le rituel a commencé. Vous arrivez trop tard, humain. À partir de maintenant... Mes larbins vont prendre... Vont vous soigner. Attention, ils arrivent. Ils arrivent. Sont en place et ils sont super rapides. Je vois personne. Oh oui. Oh, ils ont une tête de creeper, quelle horreur. Mourir en enfer, saloperie. Bon, heureusement que j'ai un bon arc, je tiens bien à distance. Non, ah, il y en a 10 000. Ça va, ils spawnent sur toi. Zombie. Victor nous dit, mettez les cœurs de zombies dans l'hôtel. Oui, c'est la Netherwart. T'en récoltes quand tu les tues. Bon, ben. Ah, voilà, ils ont.
Mais il y en a 10 milliards de ces petits bonshommes là, ils sont bien dégueulasses avec leur tête de creeper. Tant mieux, tu les fais spawn, moi je peux jeter les zombies. Et encore, c'est la partie facile, y'a pas encore. Wow, non mais sérieux là, normalement j'étais pas censé mourir dès le début. T'as pas de la netherwart sur toi? Si, j'en ai plein. Mais il faut l'acheter dans l'altar, dans le hopper. Ah, c'est de la netherwart, je pensais que c'était des cœurs de zombies. Ben oui, c'est voilà, j'ai de la netherwart. Wow, c'est devenu tout sombre. Oui, c'est le... Ouf. Ah, ouf. C'est le boss. Oh, hey, il est ignoble ce type. Quelle horreur. C'est un viseur squelette. J'ai toujours détesté ces saloperies. Le plaboum est trop là, le voilà. En plus, on dirait qu'il slalom et tout pour éviter les flèches. Ouais, ouais. Regarde dans le ciel, qu'est-ce que c'est que ça? La classe internationale. Mais moi, je vais mourir. Ok, c'est bon, je snipe monsieur Matmos. Coucou, Skeletor. Yeah. Il est... Oh, la wow, tête. C'est que... juste ignoble. Wow, creeper volant. Des creepers volants. Approche. Des creepers volants. What the fuck? Ah purée, j'ai allumé mon quest log là. En tout cas, ils ont pas intérêt à m'approcher, ces petits cons. Ah, la flying creeper. J'ai presque plus de vie là. Fais gaffe, hein. Meurs pas, s'il te plaît. J'ai l'impression que mon arc met des années à se bander. Comme une bite. S'il te plaît, comme. Ok, ça a explosé, parfait. Oh non, je suis tombé dans la lave. Ok, c'est bon, je vais vadérer trop les squelettes qui meurent avec toi. Il faut sauter dans le. C'est bon, regarde, il y a des squelettes qui viennent t'accompagner dans ta mort. Il faut sauter dans le crâne. Dans la mort triste et banale. Bon, montons dans ce cher crâne. Alors, on détruit la citrouille. Et on a gagné. Ouais, 80 âmes, baby. Bah, comme ça, elles sont regroupées en un même endroit. Mais sérieux, le feu m'a tué, fils de... Oh. Bon, le petit pantalon. J'ai juste pris l'épée en diams. Ouais, t'inquiète, je te laisse... Quoi? Espèce de salaud. Non, meurs. Il a tout pris, le bon stuff, quoi. Il m'a laissé que la merde. Oui. Il s'appelle... Fout, on s'en fout, vas-y, on va faire la quête secondaire. Mais ça s'appelle tes ordres par Herobrine. Ah, elle lit toujours, moi je vais déjà chez le fermier. Ok, affaire. Prends le village. Emprisonne les prisonniers avec le code 186. Ok, ouvre la terre de rituel. Commence le rituel. Et tout ça, c'est coché à part la dernière case qui est mais apporte le squeletteur à la vie. Mais donc, on a appris un truc intéressant, c'est qu'il y a des prisonniers qui sont emprisonnés avec un code qui est 186. Bon, il est où, ce sale fermier? J'aimerais bien l'aider, mais si je ne sais pas où il est... Mais non, on peut pas monter. Ah si, il y a un levier. Voilà. Pourquoi il y avait un truc qui nous bloquait? Je crois que c'est pour que d'abord, on tue tout le monde. Ouais, peut-être. C'est quoi, pute de extract? Quoi? C'est un vendeur comme les autres. Ok, c'est bon. Il faut mettre l'extract dans le hopper. Et où est-ce qu'on trouve ton extract? Ah, c'est bon, on l'a accompli la quête latérale. Mais non, on l'a accepté. Ah oui. Bon, allez, viens, on va la faire cette quête. Donc on doit faire. Oui, mais t'as fermé le piston devant moi. Mais t'inquiète, il y a un levier. Non. Mais s'il y a un levier, comment on serait rentré sinon? Oui, ben moi je suis bloqué au-dessus. Bon, mais c'est pas grave, téléporte-toi, je suis dans la cave. Un peu, non. Je pense bien qu'on l'a un peu défoncé, que c'était pas super long. Voilà. La quantité de flèches. Ah oui, mais t'as une finique. Ouais, j'ai une finique. Ok, bah avec tout ce gold que t'as gagné, tu pourras bien m'acheter une arme au magasin alors. Hein. Ouais, ou du stuff games pour moi. Bon, allez, c'est quoi la quête principale? On aurait pas dû s'acheter du stuff. Quoi, au magasin? Mais on n'a pas encore débloqué le magasin. Si, non, si. Non, je vais mourir. On l'a débloqué, il l'a marqué. Bien, tu vas dans la chambre? Ah, ça va. Faudrait qu'il me protège, là, je vais crever. Ouais, pas de problème. Mais oh, merci. Oh, putain, tout juste, il me restait un tiroir. C'est par ici, il faut descendre. Ok, je te suis parce que je vois pas grand-chose. Allez, cours, mon petit.
comment on dit, ou je t'attrape. Allez hop, c'est par ici. Il y a des zombies mineurs, fais gaffe. Ah, c'est bon, ils sont vraiment minables, ces zombies. Regarde, en plus, ça fait des petites âmes gratos, ça. Mince, je suis sorti. What? Mais j'étais sorti du sentier. Ah, ok, ouais, c'est bon, c'est pas grave. C'est, tu vas pas être banni par ça. Hein. Banni à vie. Ouais, banni. Allez, on continue. C'est quoi ce truc? What? Wow! Non! Voilà. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Faut se suicider ou quoi? Ah, ça m'a téléporté, pas mal. Tu viens? Ouais, t'es pas dans le portail, il y a cette téléporte. Ouais, c'est marrant. Oh, mais je vais mourir moi ici. Ça m'a téléporté dans de la lave. Ouais. Mais casse pas le verre. Et pourquoi il t'en faudrait 13? Parce que j'en ai eu 3 en faisant la quête secondaire. Mais mec, bon, au pire, je t'achète une Oblivion Sword. Mais prends l'arc, il a l'air plus stylé. Parce que franchement, je préférerais avoir l'arc que l'épée. T'es sûr? Bah ouais, moi je te conseille de toi prendre l'épée et moi l'arc. Bah oui, mais j'ai que 16 pépites d'or, moi. Bah achète un des deux, on achètera l'autre après, moi je te filme, elle croit. Attends. Ok, j'ai acheté l'épée et tiens, voilà mon épée à moi. Mais mais je voulais l'arc. Il fallait prendre l'arc. Bon bah voilà, on a une épée. Vraiment profiteur, tout pour lui. Ici, on peut acheter des trucs pour des âmes. Bon, mais en soi, passe les 3 gold nuggets, alors comme ça, je peux m'acheter un truc parce que je sais pas. Comme je suis hyper perspicace, j'ai tout de suite vu par où c'était. Non, c'est juste... Non, saloperie. Crevez, créature du démon, non. T'es mort? Oui. Non, mais sérieux, là, je suis tombé dans... Oh, saloperie, je suis tombé dans la lave. D'accord, c'était péchité. Pourquoi tu m'as fait tomber dans la lave, mec? Tu m'as poussé avant que je meure ou je sais pas quoi. Quoi, moi? Oui, avant que je meure, je sais pas, tu m'as fait pousser et tout, et je suis tombée dans la lave. J'ai eu une bonne épée pour toi, si tu veux. Tiens. Pas meilleure que celle que j'ai maintenant. Si, regarde, elle est en diam, c'est tout. Hein. La mienne aussi. Bon, ok, je la prends pour moi. Bah oui, moi j'ai... Du tir à ce moment, les bottes, y a un boss fight. Quoi? Starting event, quoi? Oh, regarde, il y a une sorcière là-bas. Oh! Meurs, sale sorcière. Mes expérimentations sont prêtes. Pour les humains, vous voulez voir ma magnifique expérimentation? Ok, bah oui, on veut la voir. De quoi parlez-vous? Descendez juste et montrez votre face. Non, moi je veux voir vos expérimentations, madame. Je vous présente ma première création. Wow. C'est quoi cette saloperie? C'est un truc qui tire des flèches avec une tête de dispenser, ça. Ouais, c'est trop moche. Ouais, mais ça fait des gros dégâts. Mais non, regarde, ça fait juste 0 dégâts, je vais venir complètement. Regarde cette saloperie. Voilà, regarde, j'ai gagné même une petite pastille. Attends, laisse-moi la pastille, voilà. Il faut la mettre dans la... Dans les hoppers. Faut la mettre dans la qui 1. Voilà, je mets la petite pastille, voilà. Allez, donne-nous une autre expérimentation, ma belle. Ah, ouh, voilà une belle expérimentation. J'avais un mini zombie monté sur un gros. Elle est où ta golden? Ah non, prends-la pas. Voilà, j'ai la golden. Bon, c'est quoi cette saloperie là? C'est son ex. Elle est géniale cette expérimentation. C'est la meilleure de toutes celle-là. C'est juste énorme. Ah, j'ai tué un zombie. Regarde, il y a des morceaux qui sont tombés. Je me fais coincer dans un coin. T'inquiète, je vais essayer de t'aider à l'arc. Mais ça marche pas, tu tires à côté. Mais non, regarde, je tiens bien en plein de zombies. Bon. Comme ça. Oh, il place le airship. Téléporte ou de airship? Ah ouais? Oh ouais, on dirait un avion du ciel. C'est le but, Bloody. Purée, trop stylé, on est dans un avion du ciel. Oh, ils ont l'air puissants, eux. Ouais, ils sont vachement puissants, ils m'ont un petit peu fait mal aux fesses. Regarde, attends, je vais mettre le charbon.
Non, ça va pas marcher, Flatty. Attends, mais ça va pas marcher. J'essaie de te défendre, mais là, je me fais défoncer, moi. Ouais, j'avoue. Oh, purée, j'ai plus beaucoup de vie, moi. Mais tu mets n'importe quoi là-dedans. Mais t'as mis des bottes. Merde, j'ai cliqué à côté, saloperie, il va me tuer. Ok, attends, défends-moi, je mets la gun powder. Pourquoi y'a des bottes qu'on dérive? C'est pas cécité. Bon, allez, donnez-nous de la gun powder, saloperie. J'ai juste de la viseur là. Ouais, enfin, t'as de la truc de sorcier maléfique. Attends, quoi de plus? Défends-moi le temps que je mette le truc. Bon, déjà. Mais j'arrive pas que... Mais saloperie, quoi? Non, j'ai tombé dans la lave. Purée, c'est tellement chiant ça. Non, sérieux là? Purée. Niveau 1, je crois que je peux me payer un truc. Ouh, purée, je suis tombé. Non, ah, TP-moi. Je vais tomber dans le vide là. Je suis pris dans une toile d'araignée. Attends, je me grouille, mais. Hop. Hop. Ouf, merci. T'es où là? Mais ramène-nous dans mon réel. En tout cas, il y a une fight épique qui se passe devant moi. Je sais pas si t'es là. Tu vois pas la fight entre ta robe et l'ange? Ah oui, et l'archange. En tout cas, passe les flèches parce que sinon, je peux pas. Il faut que je tire sur ta robe. Sinon, purée, l'archange est mort. Mais à mon avis, c'est un événement scripté. Tu peux rien faire. Ouais, j'avoue. Eh, il y a un villageois invisible devant nous. Regarde, ah, c'est énorme. Attends, voilà, je suis. Oh, purée, il y a un wizard là. Wow! Mode cac, c'est plus facile, voilà, c'est bon. Mon épée a fait des ravages. Ouais, moi aussi, je pense que mon épée, comme elle est pas mal, je l'ai aussi bien fait manger. Moi, c'est une tier 3. Ouais, moi, c'est une tier 2, donc c'est quand même pas mal. Je l'ai bien fait manger. Bon, ben, je pense qu'on peut clôturer l'épisode là, alors il faut juste que tu mettes la Nether Star. Et après ça, on va pouvoir se quitter en beauté. Ouais, si ça déclenche pas une autre cinématique. Non, mais c'était un combat bien épique, je pense que. Ouais. Ah, je t'ai donné sans faire exprès mes gold nuggets. Enfin, tu peux les avoir si tu veux. Voilà, je suis le combattant au cac ultime. T'as eu quoi? Le pantalon en diams qui me manquait. Et t'as pas genre un casque en diams ou... Non. Et t'as pas un pantalon en diams? Non. Ça, c'était justement le truc qui me manquait. Ah, ok. Sur ce... Sur ce, quittons-nous.